Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite formation dont l'objectif principal c'est de permettre à tous ceux qui vont suivre cette formation de pouvoir installer un serveur SAP sur leur propre machine. Ça c'est l'objectif principal de ce petit projet. Alors permettez-moi de me présenter, je m'appelle Mourad, je suis ingénieur en informatique, ingénieur décisionnel et je m'intéresse tout particulièrement aux outils SAP dédiés à l'informatique décisionnelle. Donc je vous laisse mon email en bas de cette page, n'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre bien évidemment. Alors pour pouvoir mener à terme notre petit projet, sachez qu'il y a un certain nombre d'exigences qu'il va falloir satisfaire. Donc il y a des exigences au niveau matériel et logiciel aussi. Alors côté matériel, vous devez posséder une machine avec un processeur à double cœur. Ça, c'est le minimum. Moi, je pense que toutes les machines disponibles actuellement sur le marché, c'est des double cœur minimum. En termes de RAM, c'est 8 Go aussi. Vous allez exécuter un serveur SAP, donc c'est exigeant en termes de RAM. Disque dur, 100 Go de disponible sur votre disque dur. Ça, c'est ce qui est recommandé. Le système d'exploitation que nous allons installer, c'est Linux. SUSE version anglaise, c'est SAP qui a exigé que ce soit en langue anglaise. Et pour la virtualisation, ça je pense que nous allons revenir très en détail lorsque nous allons installer notre machine virtuelle. Alors voilà pour cette petite présentation. Et le plan que nous allons suivre bien évidemment pour mener à terme ce petit projet est le suivant. Donc nous allons télécharger les logiciels nécessaires. Donc VMware, Linux, les fichiers nécessaires à l'installation d'un serveur SAP. Nous allons procéder à l'installation des différents logiciels, installer les licences qui vont avec, effectuer quelques paramétrages qui vont nous permettre que l'installation s'est bien déroulée et que le serveur s'exécute parfaitement. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine session.